Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier chapitre de Resident Evil 4 en version standard. Et je vais laisser ta petite cinématique, on revient après. Ikaki, te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el país. Acepta esta bandera, arrastrada por la furia y la tierra, y acógenos en el paraíso. Ça fait mal. Capcom présente. 30 septembre 1998. Une date gravée à jamais. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. Il y aurait des vraies images quand même, c'est ouf, hein. L'entraînement, les missions éprouvantes ont presque ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là, la douleur. Ne serait-ce qu'une seconde. Cette fois, ce sera différent. Il le faut. Je sais pas si ça va m'activer la tenue. Qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil? Tu sais, c'est le trou du cou du monde. J'ai mis un petit bonus pour le premier chapitre. Disons que. Une tenue un peu différente. Je cherche quelqu'un. Ça doit être quelqu'un de très important, hein? Les ordres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. Bah, j'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Je me trompe. T'as un drôle de sens de l'humour, toi. Je vais te confier un petit secret. Eh, ça reste entre nous. Il y a pas mal de disparitions dans le coin. Et ça fait un bon moment que ça dure. Et ben alors, j'imagine que pour vous, ça devrait être la routine, non? Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû rechercher des randonneurs. Je suis certain que vous ferez tout ce qu'il faut pour m'aider. On a vraiment mis le ray tracing, on a mis tout ça. Bon, le jeu a un petit bug au niveau des graphismes. Faut pas dépasser la configuration option. On a standard, orange et rouge. Et en fait, faut pas qu'on soit dans l'orange. Malgré que normalement c'est faisable, faut pas que le jeu crache. Je reviens tout de suite. Donc, du coup, faut rester dans le blanc. Et ça n'a pas été patché par les devs. C'était déjà un peu le bug dans la bêta. Dans la démo plutôt. Je trouve encore plus beau que la démo, je trouve. Ah, il inspecte. Il a les yeux un peu rouges quand même, hein, sur le contour, on dirait qu'il a pas dormi. Vaya sitio más tétrico. Y alguien ahí. Une petite aventure, mais c'est pas bon. C'est pas bon, mon gars. T'aurais dû rester dans la voiture. Désolé. Eh ben dis donc, il en met du temps. Il est tombé ou quoi? Eh, dis-moi, ça te dérangerait pas d'aller voir ce qu'il fait? Ah, moi, c'est un policier, hein. C'est lui qui est censé y aller, mais bon. Je reste dans la voiture. Ce serait dommage de prendre une amende. Putain, tu pars d'une aide. Oh là là, petite flippette. Là, je crois que c'est la tenue de Raccoon City, je crois. USA 1995. Elle est stylée, celle-là, je trouve.
On a d'autres, hein. De toute façon, je vais essayer un peu toutes les tenues. J'ai une préférence quand même pour le vilain, qui change vraiment, vraiment, vraiment de look. On va y aller par là. Mais où est-ce qu'il est passé? La fameuse petite chèvre découpée. C'est gore quand même, hein. Mais c'est tellement beau graphiquement que ça passe en fait, c'est ça qui est bien. Là je suis en train de tester un nouveau système pour avoir des meilleures images quand je record, donc dites-moi les gars si c'est efficace ou pas. On va pouvoir le voir justement avec Resident Evil, tout ce qui est ray tracing, les ombres ou autres, et sur un gros jeu. Y'a quelqu'un? De toute façon, on n'a rien pour l'instant. Normalement, ça devrait être comme dans la démo. C'est toujours un kiff de le refaire encore une fois, malgré que ça soit une démo. De base, ah, d'avoir le jeu complet, c'est ouf. J'ai flippé, lui. Désolé d'être entré comme ça. Busco a un policía. Dino aquí. Y viviremos contigo por siempre. Porque en los brazos. Et voilà, t'as fait le malin. Donne-moi les clés. Merde. Quoi qu'il est beaucoup plus fluide, par contre. La démo, ils ont peut-être dû faire un petit patch, mine de rien. Ah, la tenue, il va super bien. J'écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Mise à jour de la carte, sortir de la maison. Ça, ok. Je crois que c'est obligé qu'il te touche. On pense avoir tout vu. Je sais même pas si je fonce dessus, s'il va me faire quelque chose. Bon, il s'en fout complet, quoi. Ah non, il s'en fout pas. Bon, ça sert, on va pas gaspiller des balles, de toute façon, pour eux. Bonsoir. Ici Condor 1. Ici Hannigan, du nouveau? La fille du président, Eglon. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas. Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. Mon escorte... J'y aille, je te rappelle. Même la qualité des cinématiques sont vraiment belles. Ok, je me casse. Bon là par contre, c'est vrai que c'est un peu abusé. C'était de la vitre comme ça, à atterrir normal et...
C'est soit tu te casses une jambe, tu te prends un bout de verre, c'est vrai que c'est un peu abusé. Dis le tout craché. Allez, c'est parti, allez au lac. Non, moi il me donne. Voilà, ce que j'allais dire. Il me donnait 100 pesetas lui. Ok. Récupérer tout ce qu'il y a. Des mûres, ça va être très utile. Ça l'a tué par contre. L'autre il bouge pas, il est au sol. Ah merde! A chaque fois je me fais avoir hein, sur celui-là. Hein. Bordel! El forastero! Detrás de ti, imbécile! Même les animations, les... la fluidité des mouvements sont vraiment vraiment jolies. Ça, on va en avoir vachement besoin. Donc là, on a soit deux solutions. Soit on continue, on garde notre pistolet plus le fusil à pompe. Soit on vide tout l'inventaire qu'on a là, c'est-à-dire les munitions, les soins... tout en fait, vraiment tout. Il me semble que c'était tout. Hein. Moi j'avais fait tout. Et en fait, on aura une trappe qui va s'ouvrir sur la droite de la map. Où on peut avoir comme une petite mitraillette, je crois que c'est la TMP, elle s'appelle. Mais je vous ne la conseille pas parce qu'on peut l'avoir plus tard au marchand. Bon, forcément, elle coûte 12 000. Mais l'argent est très 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 facile à débloquer. Donc, franchement, pour moi, je vous dis que ça sert à rien de toucher. Surtout que. Bon, on perd du soin, on perd un peu tout ça. Je sais plus si c'était vraiment tout ou si c'était juste... on appelle ça. Ou que le couteau et l'arme. Je crois que c'était juste le pistolet, hein, il me semble. Hein. Mais de toute façon, ouais, je vous le conseille pas quand même. Et le placard là normalement on peut pas l'ouvrir. On n'a pas la clé. Pas le choix. Là j'ai vite fait aller récupérer. Oh non, je pense qu'il y a des munitions là-dedans. Oh non, non. Bonjour, je suis tout de passage. Le voilà, le fameux. Ah, le stylé. Putain, j'y crois pas. J'ai bien fait. Pas me faire chier avec le meuble, là, ça prendrait beaucoup trop de temps pour rien. Là, on a la grue. Le principal, le fusil à pompe. Je
Utiliser mon fusil à pompe pour ça, mais. Oh, il a pété dedans! Oh! Incroyable. S'il y a l'animation qu'il y a eu, je l'avais jamais eu par contre. C'est un nouveau truc en plus, allez savoir. Oh. Ok, on va combiner. Voilà, ça devient tendu. Violence. Par contre, il a pas voulu que je cut le mec au sol. Ça, c'est un peu dommage, par contre. Oh, il est reparti. On va chercher la, comme tout à l'heure, les munitions plus le soin. Même ce coq là, si je me trompe pas, on met un petit coup de cut. Il donne, je crois, c'est lui qui donne l'effet en or. Ensuite, utiliser la poudre. Ah, j'ai pas le grand matériel. Ça va être sur la tente. Je l'ai eu comment tout à l'heure, je m'en rappelle plus du tout. Ah non, là, ça je peux pas. Bon, lui va me gêner, je crois qu'il va me mettre une patate. Voilà, du coup on va passer à la cinématique, on l'a déjà eu. Ah, il semblait que j'étais ici, c'est bâtard, je l'avais tout pour moi. Ah, ça c'est cool. File.
essayer de monter. Oh, on va descendre, ça pue du cul, hein, si je reste en haut. Voilà, c'est cette trappe-là que je vous disais. Oh, le taureau, il m'a chargé. La petite trappe qu'elle a, là, elle est fermée. Oh lol! Ne vous attaquez pas un taureau! Et normalement, voilà, elle devrait s'ouvrir si vous posez votre arme. Oh non. Là, c'est là où c'est un peu dommage. Parce que là, du coup, on peut pas pousser les ennemis, mettre un coup de pied ou autre. Et ça, c'est un peu le petit défaut. On va mélanger avec la rouge. Utiliser. Il est mort. Oh, il est mort sur la fin. Parfait. Émeraude. La campagne. Al que obedecer. Él nos invoca. Tenemos que servir. Lui, il est censé lui avoir brisé la nuque, mais il est encore là. J'adore cette ambiance avec la cloche, les zombies, à leur regard. Ils sont zombies, mais tu sens qu'il y a un côté où ils sont pas. Ils sont encore un peu humains, tu vois. Où est-ce qu'ils vont tous? Il y a une fête. Ouais, résident. Devil. C'est normal qu'il n'y a pas comme avant la grosse voix là. Ouais, dans Devil. Fort. Avec le gros boom derrière. C'était vraiment stylé. Là, je pense qu'ils auraient pu le laisser quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sauver à l'attaque, c'est fini. Perchoir à Condor 1, j'ai un accès au lac. Cherche un grand moulin avant. Il y a un chemin de l'autre côté. Un moulin. C'est noté. Sois prudent. Terminé. Ouais, voilà. Et là, on a l'autre entrée. Voir la carte. Par contre, j'aimerais bien voir si c'était. Ah, mais j'ai pas d'émeraude. Si on met tous les diamants. Ah ouais! Bah oui, du coup, sa valeur augmente, plus 5000, etc. Et puis, du coup, on arrive à faire un gros, gros, gros bijou qui vaut bien cher. Ah, j'ai pas ramassé. Moi, j'ai pas été ici.
batterie. Et on peut pouvoir le mettre aussi du coup. Bonus 20 000. Voilà, on va monter en haut parce que normalement en haut on est censé encore avoir un diamant, si je me trompe pas. Ouais, c'était par là. Ah non, c'est un bleu velours. Il n'y a pas d'autres diamants? Il y a un trésor ici. Et c'est la grange. Donc on pourra pas y aller. Parce que la grange, faut une personne pour monter. Cette maison n'est censée... Ouais, ok, c'est la clé. La clé, je pense pas qu'on pouvait... Ouais, faut pas. Donc je pense que c'est pareil, ce sera plus tard. On va ramasser ce qu'il y a là. Oh, mais c'est qu'à ramasser. Les pesetas, c'est là énormément. Hop. Un pec. On peut continuer. Ah, ça là, je l'ai faite. Qu'il me reste le couteau. Il reste un bout ou pas? Ouais, il me reste pas grand chose. Là-dedans, il y avait quelque chose. Non, il y a rien. C'est les pesetas. Voilà, ça a pas bougé. Normalement, je suis censé en avoir un, je crois, ici. Toujours bon à prendre les munes. Ça du coup c'est le défi de trouver les médailles. Médaillons là. Ah, je sais plus si à l'époque c'était écrit par contre. Il y avait un truc, trouver les médaillons. Par là. Non, j'ai pas la clé non plus. Petit pichet, ok. 5 sur 5. Okay. Ah, un bleu velours. Ouais, ça sert à quoi ces trucs là, les bleus velours?
rappelle quand même des endroits. Hein. Ça a changé, ok, mais c'est quand même bien, bien, bien fidèle. Hein. Ça, c'est bien. C'est quoi du coup? Objet destiné à la vente. Ok. J'ai eu un. Ah, ça a rien à voir. Il fait pas partie de. Ah, on peut mettre des diamants là. Ah ouais? J'avais eu un La vache! Lui, par contre, dans les origines, lui. Waouh, il était pas lui. Ouais, il est résistant, hein. Non! 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 Oh! Saloperie! Je vais pas utiliser le nombre de pompes pour toi, mais. Je l'ai utilisé. On va fabriquer le mélange. Ok. Par contre, j'ai pas eu le temps de monter en haut. Qu'est-ce qu'il y aurait en haut? Ok. Un petit même des balles encore. Ça va, niveau balles, ils sont quand même généreux, je trouve. Ah, il y a un diamant là. Ah, mais le diamant, c'est le coffre qu'on peut pas où il faut la clé. Ici ou pas, ça m'intrigue. Parce que vu qu'on n'a pas la clé dès le début, forcément, c'est un pépin quoi. On va le filer plus tard. Peut-être si on recommence le jeu, peut-être qu'on peut garder la clé. De toute façon, je compte le recommencer en. Ah oui, le jeu en hardcore. Pas fini. Bien, ok. Elle est beau. Ah, un truc à faire avec. Oh, c'est quoi ça? Lagon. Oh, c'est un lac. Doit être par là. Ouvrir la porte. Ça a pas l'air. Chemin, ok. D'ailleurs, je m'ajoute pour une caisse, ils sont sérieux. 200 pesetas en plus, ils auraient un peu donné plus hein, pour le trajet. Attends, on est déjà à 9002. Non, ça a quand même un peu changé. Hein. Oh. Ah, mais il y a quand même plus de volume, c'est ça qui est bien quand même. Bon, attends, c'est un kiff, clairement. Donc, il est en haut, on va pas gaspiller des balles pour lui.
Ah. Oh, toi, pardon. J'entends un bruit de dynamite. Oh, il m'en prend un sandwich. Peut-être utiliser un petit soin, petit, ça suffit. C'est la dynamite, le mec. Ah! What? Ça, il y a encore une deuxième dynamite là. On a des balles. Pardon? Ok, en balle. Il y a un trésor en face apparemment. On va passer par là. Ah bon d'avoir dans la main dynamite. Trésor il est... Le trésor il est pas là. Il y a un bruit métallique. Pas ça là? Bah si. Saphir. Oh, est-ce qu'on peut le mettre sur... Oh. Bonus, 12 000. Stylé. Ah ok, d'accord. Là en tout... Ah bah attends, c'est moi en fait, il n'y a pas vraiment de bonus supposé parce qu'ils disent 12 100. Ouais, si ils offrent 100 pesetas, parce qu'on avait 4000 et 4000, ça fait 8. Ouais, 9, 10, 11. Ah, quand même, hein. On a 1000, ouais, 1100 de bonus. Là-haut. Ah, là-haut, il y a quoi? Il nous faut la clé aussi. D'accord, on va taper à l'intérieur. Là-dedans comme un baiser, j'entends un truc en plus qui fait bip bip là, comme tout à l'heure. Ah, encore une clé. Mais ouais, j'ai des clés partout, attends. Attention. J'ai ramassé. Document, ok. On a 42 balles. On est plutôt pas mal. Oh, il y a un bruit chelou. Louis. Oh, ils l'ont tellement bien fait. Tu sais que ça fait mal? Désolé, t'avais l'air d'avoir très envie de parler. Perspicace, Seigneur. Et t'as pas une clope?
Eh non, je tiens à ma santé. Ok. Il est attaché, demande une clope quoi. Demande d'abord de détacher et après demande la clope. Oh merde, manquez plus que lui. Vous êtes qui? Restez où vous êtes. Je me rappelle plus que tu as ma contre. Okay. Ah, c'est déjà la fin du chapitre. Oh, je pensais... ça a été vite. Bon bah les gars, n'hésitez pas à mettre le petit like, vous abonner, et on se retrouve à plus tard pour les prochains épisodes. Tout le monde.